Poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Hola les hermanos. Ça va Miguel ou quoi? Ça va, oui, ça va, ça va. Super. Tu boites, Miguel? Il y a un couteau dans le cul. Tous les jours, tous les jours. Ça se voit, la vie de ma mère. Tout puta madre, dégage du barrio. Attends, mais toi, il t'est arrivé quoi là pour que t'aies une canne là? Il me suis fait. Il est pas une canne, cabron. Tu boites? Oui, il a pris une couteau dans les fesses. Viens, on va dans un coin, il te monte en l'air là devant ton collègue là. Écoute, je vais monter en l'air ta soeur, mais toi ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est ça ton problème. On va te niquer. On va te niquer, regarde, tu manques de respect. Bon, vas-y, descends. Arrête de manquer de respect, tout putain. Aïe. Santana, écoute. T'as vu? Tout putain, madre. Arrête de taper le vide. Aïe. La vie de ma mère, il te tue, descends. T'assumes pas là, Santana, tu descends même pas. Si je descends de ce véhicule, j'appelle des renforts. Appelle ta pute à madre, même si tu veux, je te baise. Voilà, appelle-la. On te baise, cabron. Très vite. Ah, elle touche, baisse ta mère, toi. Mais il est fou. Allez, dégage. Mais il est fou, ce bichou. Sa mère, il compte passer ici tous les jours ou quoi, là, le bâtard. Il est sur notre beat. Ça va, les hermano, allez, mettez-vous en ligne, je vais vous parler. Faut le finir, Miguel. Comment c'est Miguel? Allez, en ligne, s'il vous plaît, en ligne, por favor. Comment ça, en ligne, Miguel? Por favor. En ligne, je dois vous parler. Vas-y, dis-nous. Allez, en ligne, va te mettre en ligne, hermano. Hermano, il n'y aura pas de ligne, claro. Il y a des couilles qui dépassent, Miguel. Il n'y a pas de couilles, cabron. Ah, t'as pas de couilles, non? Eh non, il n'y a pas de cojones. Ah, allez, mettez-vous en ligne, on va faire le plan pour ce soir. Non, mais ça sert à rien de forcer, y'a pas de ligne, on n'est pas chez les poyos là, Armano, tu peux parler, c'est un truc à dire, dis-le. Eh ben, je dis pas tant que vous êtes pas en ligne. Et pourtant, c'est un truc de fou, hein. Ouloulou. Oh, waouh. Dommage que vous sachiez pas. Dit que t'as pas de couilles. On va te monter en l'air là, la vie de ma mère. Mais qu'est-ce que tu vas faire, tout putain madré, toi aussi? Aïe! Arrêtez! Je suis handicapé, arrêtez! Aïe! Vas-y, raconte ce que t'as raconté. Je m'en bats les couilles. Il raconte pas, vous mettez pas en ligne, il raconte pas. La vie de ma mère. T'as quel âge, mon gars? Ah, il y avait l'enculé. Fais quoi, ton rôle là? Attendez, les gars. Ouais, quoi? Bon, moi, je vais faire un tour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me dites quand Ferto il est là. Aïe. Ouais, tu m'as appelé? Oui, tonton. Tu cherchais? Oui, t'es où? Je viens de me réveiller là, je cherchais. C'est vrai, t'as bien dormi? Hein? T'es prêt? Tu viens de te réveiller là? Tu m'entends? Ouais, je t'attends. Tu viens de te réveiller à l'instant? Ouais, là maintenant là. Et tu as le barreau? Un peu quand même, je suis torse nu dehors. Avec le barreau, l'habit à l'air? L'habit à l'air, sous mon froc. Ah, ok, d'accord. Bon, vas-y, j'arrive, ouais. Il va pas tarder. Vas-y. Eh, les hermano, s'il vous plaît, ouais. Vous pouvez aller au barrio, vous m'escortez comme si j'étais une prince. Et vous dites. Comment? Tu veux qu'on fasse gonfler ta notoriété? Oui, voilà, por favor. Vas-y, go. Merci. Vous pouvez m'appeler prince devant eux, s'il vous plaît? Conduis, je t'appelle pas. Hein. Prince, por favor, prince. C'est bon, merci, vous pouvez disposer les hermano. Tout ira bien maintenant, merci. Parfait. Au revoir. Bonsoir, monsieur. Au revoir. Ça va pas mieux ton cul toi? Ça va Tuerto? Non, il y a encore un peu mal. Ils m'ont escorté pour qu'ils m'ont reconnu. Comment ça t'as reconnu? Ils ont dit, ah mais c'est toi le prince Miguel. Il a dit, bah oui c'est moi. Ils ont dit, ah, attends, faudrait pas que tu te balades tout seul. Du coup ils m'ont escorté le cas ici. Ok, claro. Comme je vous ai dit les gars. Je lui dis quoi du coup? Tu m'appelles, tu dis vas-y, faut qu'on se voit, faut que je te parle. Il va pas sortir la patate lui, ça va, il se doute de rien. Bref, on va lui parler, on va rien lui faire à lui. Je veux que tout le monde vérifie tout le monde. Je veux aucun H-block ici. Que ça soit à Trenton, que ça soit à Maurice, que ça soit au magasin de vêtements, à l'armurerie. Je veux aucun H-block ici. Le premier que vous voyez, vous lui niquez sa mère la pute. Comment c'est que c'est un H-block, Tuerto? Tout le demande. Tout le demande. Tu dis fils de pute, tu viens d'où? Il va te dire. Et quoi? Moi, mais je viens de là, je viens de oui, là. Oui, mais quoi? C'est quoi la description physique? Ah, il y a pas de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de description physique, il n'y a pas de couleur. C'est des afros et des latinos. Donc quoi, ils vont se revendiquer. Si il croise un afro ou un latino, il le dit ouais, tu viens d'où? Tu viens d'où toi? Ben oui, c'est ça. Voilà, tu dis tu viens d'où, c'est notre territoire ici. Si il te dit le blond. Tu viens d'où toi, cogno? Ah, je viens de ton barrio, connard. Pour un latino? Eh. Tu putain madre, c'est un H-blood? Aïe! Tu m'as fait les hier déjà. Fuego, je touche pas, je vous le dis. Hier, s'il te plaît, coup de couteau, pourquoi tu touches à mon neveu? Il m'a mis une balle. Je te nique ta mère, et alors? Il m'a mis une balle dans les pales hier. Quoi? C'est bon, on n'est pas là. C'est bon, on fait la paix, c'est bon, arrête, on n'est pas des gamins, arrête. Tout putain madré, va. Je
vais te niquer ta mère. C'est bon, on peut arrêter. Quoi? C'est bon, c'est bon, tu vas rien faire du tout là, Fuego, calme-toi. Attends, tu parles de ma soeur là? Non, mais moi je lui dis pas ça comme pour ta soeur à toi, c'est une insulte basique. Fuego. Si. Bref. Oh. Là, des coachs de Troyes, vous restez pas ensemble, j'en veux au nord là qui contrôle le péage qui est là-bas là. Pour voir s'il y en a, ils viennent pas. Je veux des mecs au sud, je veux des mecs partout. Je veux aucun H-Block dans la côte Est. Si j'en vois un, si moi je tombe sur un H-Block ici, la vie de ma mère, je vous baisse vos mères à vous. J'espère que c'est bien compris. C'est. Faites pas des tours du cœur ou faire shooter. On vous entend pas, les hermanos. Là. C'est très clair, c'est très très clair. Oh, vas-y, allez. Allez, allez, bougez votre cul là. Vas-y, vous faites vos équipes. Hermano, il faisait tout pour le barrio. Tout dans ce qu'il pouvait. Pour qu'avant, il y avait un jefe, il s'appelait Arvertugo. Tu vois, c'était comme mon padre aussi, mais mon beau padre, tu vois, lui, il était dur avec moi, mais dur, mais bien. Et Lorio, il m'a brûlé le visage, il m'a coupé les cojones. Si. Il m'a fait la misère, tu comprends? Si. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous niquards. Et jusqu'à la fin, Lorio, ce cabron de merde, après tout ce qu'il m'a fait, à la fin, ils ont voulu se rebeller contre Lorio, le reste du barrio des Vagos. Ils voulaient le niquard. Et moi, je l'ai sauvé la vie encore une fois. Comme un gros hijo de puta que je suis. Ah, ni hao. Ni hao, ni hao. Si, hola, seigneur. Ça va? Ah, bien et vous? Tranquille. Wesh. Ça va. Vas-y, va derrière le baril. Va derrière la maison. Va derrière la maison. Qui me fait frise là, juste ici là. Je sais pas c'est quoi. On les attend. Et sur le coup, tu les as. Et Lorio, il t'a fait quoi à la fin? Il est sauvé, Lorio. Il est où là, ce pendejo? Il est mort. Il est muerto? Ouais, il est muerto. Par qui? Par moi. Ah, tu l'as sauvé en plein. Mais après, malgré que il est sauvé, ça a été un hijo de puta de merde, de cabron de merde. Un jour, il dormait, je suis venu au-dessus de lui, il a mis une coussin sur la tête. Et il a appuyé fort, de toutes mes forces, hermano. Ce pendejo de merde. De toutes mes forces, il a appuyé. Sa mère l'a pu. Croyant. Ah là là, allez, venez. Et une fois qu'il était mort, il lui a mis des gifles. Il a regardé dans les yeux. Ta! Bam! C'est vrai, hein? T'es comme ça, toi. Tu le sais, Miguel ne m'en jamais. Ben oui, bien sûr. Appelle Termité et dis-lui, on a rendez-vous avec des gens, on arrive. Si, voilà. Ni hao, monsieur. Ni hao, ni hao. Tranquille. Ouais, très bien. Les personnes qui s'occupent du business vont arriver. Ok, claro. On les attend alors. Ah ouais, on s'est séparés. Et tu es qui, toi, si tu t'occupes pas du business, cabron? Merci, qui lui va? Ah, Miguel. Oui. Je connais pas trop à faire. C'est la même famille, tu vois. Oui. C'est des gens avec qui on... C'est des très bonnes personnes. Oh, tu vois les mains de Drake sur la tête. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu veux qu'il te manque un doigt comme moi, là? Non. C'est qui, ça, Drake? Tu connais pas Drake? Ah oui, bien sûr, celui qui fait... C'est qui lui, je l'ai jamais vu. C'est mon neveu. Oui, bonjour. Il sort tout droit de prison. Ah ouais, prison, tombé pourquoi? Il est tout un poyos. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je peux prendre photo avec toi. Bien sûr. Tu veux y me mettre de l'autre côté? Ah oui, je veux bien. Fais le signe là, fais le signe des team. Ah mais fais signe, représente. Il fait une photo avec Miguel raconté le tueur de Poyos, pas Miguel raconté le 18. Donc tu me laisses, okay. Je fais pas le signe. Ok, Miguel, c'est comme ça. C'est noté. Nickel. Parfait. Attends, est-ce que c'est pas le truc de l'eau? Gros tueur. Est-ce que c'est pas l'eau qui me fait bugger? Vas-y. Ah moi j'ai fait pas prison, j'ai fait quand travail en Chine. Beaucoup de travail. Si c'est comment tu l'as tué, je crois qu'il va demander une vidéo avec toi carrément. Tu veux savoir? Ah bah oui, vous attisez ma curiosité. Il l'a attrapé, il est enfermé dans une cage avec une panthère. Avec une panthère? Une vraie? Oui, une vraie. Il a failli gagner ce Poyos, hein. Ils se sont battus la panthère et lui. Hein. Il a failli gagner. Comme mais dans le Colisée à Rome. Peut-être oui, mais la panthère à la fin elle a gagné.
Bref, moi, j'aime pas les gens qui sont pas en retard. J'aime pas les gens pas ponctuels. Non, c'était fait exprès, ils devaient pas venir ici. Nous, on les a croisés, c'est pour ça que j'ai dit on fait demi-tour. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, parce que les polices, elles veulent notre bite. Ça va, Hermano? Ouais, ouais, très bien. Merci. Ça va arriver. Je m'arrête à Oubé. Toi-même, tu sais ce que l'on m'a dit. Bonjour. Merci qui lui a. T'as quelque chose blanqué dans la fesse? Il a pris un coup de couteau dans, dans la fesse. Ah ouais. Tu veux le petit spadar? Non, il les points de suture. Il va les retirer ce soir. Merci qui lui a, ah merci ouais, mon frère. Le point de couture? Non, de suture. Ah ouais, le soldure. Soldure. Ah ouais, pardon. Ah ouais. Ah, Turto. Ouais. Il faut qu'on vous emmène, on va vous emmener à Yao. Vas-y, tu veux la voiture? Vas-y, vas-y, on vous suit. Y'a que moi, Turto, qui a mal à la tête ici? Non, y'a que toi, vraiment. Ah ouais, ok, d'accord. Mais mal à la tête, vraiment? Non, quand je regarde vers la mer, un peu, ça me fait des petits. Non, pas faut du que tout. T'ailles chez le médecin. D'accord, ben il est chez le médecin. Mais un bon médecin, hein. Pas un médecin de merde. Attends, j'ai bébé. Allô? Ouais. Ouais, je suis en rendez-vous avec les Wuzang, mais je sais pas où on va, on les suit. Je te tiens au courant. Ils ont pété, appel terminé, ils ont pété un H-Block. Avec eux là, attends. Vas-y, balance. Au calme, on finit ça, après on y va. Ouais, non. Voilà. C'était ici de base. Et vous les voyez les petits trucs de FPS que j'ai ou vous les sentez pas trop en stream vous? Vous allez vous frotter les mains. On rentre en guerre frontale avec les H-Block. Et pour ça, je vais vous voir, c'est pour ça que j'ai demandé à voir Yao. Je voudrais savoir si vous n'avez pas des munitions un peu à vendre là, disponibles. Là, maintenant, tout de suite, franchement, c'est... Non, pas tout de suite, mais dans la soirée ou demain. Demain, on peut essayer, mais la soirée, je te m'en parle, mais galère. Bon, je vais juste pas regarder là-bas, en fait, je crois. Pétard, oui, comme on t'avait déjà dit, les munitions, là, c'est la galère. Ok, claro. Et guerre avec les H-Block, pourquoi pour le business? Non. Non, du tout. C'est pourquoi, non? C'est pourquoi alors la guerre? Je sais pas, je savais pas que c'était des jaloux de femmes. Donc, comme au Mario, on avait plein de femmes, ben, ils sont attaqués à nos habitants en nous rabaissant une fois, deux fois, trois attends, fois. Tu me dis pas la guerre, c'est pour une femme quand même. Vous êtes non, pas non, tombé non. Si bas. Et regarde mon neveu. Vas-y, marche, Miguel. Hier, ils l'ont dit, viens, t'inquiète pas, viens. En boîte de nuit, on va te faire travailler et tout. Ah oui. Arrivé là-bas, bien joué, donc, ils ont planté un coup de couteau. De toute façon, la guerre, vous la faites comme vous voulez. Ah non. Ça, c'est pas notre problème. Faites comme vous voulez. Non, une femme, c'est une raison comme une autre. Mais pour les munitions, on va te contacter là. Mais si on peut c'est faire bon. Ça ce soir, on te le fait. Mais je pense que ça va être compliqué. Demain, on essaye. Demain, on c'est essaye. Bon, claro. Ça serait pour combien, ça, quel? Je sais pas, c'est combien la boîte de munitions? C'est combien déjà? C'est 24, je crois, Yonso, non? Dans une boîte. Non, je sais même plus. Ouais, 24. Ok, 24 munitions pour $800, c'est ça? C'est ça, $800, non? Ouais, 700. $700, bah tu m'en prépares deux boîtes de munitions. Vas-y, je te mens pas, on va essayer de. On va faire tout ce qu'on peut, mais c'est vraiment compliqué, on va faire tout ce qu'on peut. Ok. Et Yao, c'est bon, t'as réglé l'histoire avec Santana? Ah ouais, bien vu pour le même, bien vu. Écoute, au cas où. Qu'est-ce que tu sais sur lui, toi? Eh ben, que tout le monde veut sa peau. Ah, pourquoi? Et que... Ben, parce qu'il sait un peu tout sur tout le monde. C'est quelqu'un qui se cachait dans les quartiers. Attends, il parle de qui, Santana? Qui se cachait les murs, qui se cachait dans les coffres. Tout le monde les a pétés. Ah oui, les coffres. Les Mexicains l'ont pété une fois. Ils n'ont pas réussi à le tuer. Les Lost l'ont pété. Le président, il est rentré en prison parce qu'ils sont fait péter derrière. Et voilà, après, il aime bien les femmes, tout ce que je peux te dire, donc... Ah ouais? Ouais, il aime vraiment beaucoup les femmes. Ouais, c'est tu vraiment sais... son gros point faible. Tu sais où il tourne pour voir les femmes un peu? Ah, partout, putain, lui, il voit une femme, ça y est.
Eh ben écoute, reste à l'affût sur lui, reste à l'affût de tout ce qui se passe sur lui, ça peut nous intéresser. Lui, il passe au quartier tout le temps à nous insulter. Quand on l'insulte, il dit on va faire une descente. Comme il l'a fait où? Ok, ok, bah très bien, ça c'est super intéressant, ça. Faut une chica, si tu connais une chica qui peut te rabattre pour vous, c'est dans la poche, Santana. Ouais, ouais. On va y penser. C'est bon, perfecto. Donc voilà, moi, c'était tout. Ah non, l'échantillon que Baja, il a eu. Pas de quoi tu parles. Je crois qu'il a trouvé, un truc dans une poubelle, Baja. Et je voulais savoir si vous étiez au courant de ça. C'était quoi? Ah oui, il fume à jouer une clope en même temps, je suis mort. Des petits pochons avec un peu de poudre. Il y en a, il a joué dans la bouche, une clope dans la main. Il était étiqueté le pochon. Ah non, il n'y avait pas d'étiquette. Bah là, pour le coup, les cousins, ça vient de chez nous, ça. Ouais, ah ouais, c'est dit. Possible. Comment? C'est possible, t'as dit quoi? Parce qu'il n'y a pas le tic-tac. S'il n'y a pas de tic-tac, ça peut venir à tout le monde. Moi, je vais vous dire, c'est peut-être les Mexicains. Parce qu'ils nous ont parlé, avant qu'on rentre en conflit avec eux, ils nous ont parlé d'une autre drogue que la méthamphétamine. Et hier soir, ils voulaient nous voir. Ok. Et d'ailleurs, là, j'étais pas là la dernière fois. J'ai cru comprendre, vous avez des problèmes avec les Mexicains. Et c'était pourquoi? Comment ils rentrent? Vous m'avez dit qu'il fallait faire halte sur le coffre. Comment tu rentres dans le coffre? Ah ouais, les H-Blocks, c'est leur grand associé. Première personne? Ah oui. Ok. Allô. Vas-y. Bah tu vois, depuis le début, on reste de notre côté là. Je te dis, il faut qu'on reste calme, etc. Comment ça? On diffère un petit peu. Appelle tout le monde, c'est ça. Les pièces de l'échiquier là, je crois que ça va pas tarder à bouger. Mais du coup, là, vas-y. Attends, vas-y, on fait rapide. Vas-y. C'est quand le RPC, sinon, mais va te faire foutre, c'est la matrice de merde, Ilian. Le jour J, si on a besoin de vous, vas-y. Si vous avez des bras armés, vous êtes assez... C'est fort pour assumer, bah il y a fort moyen qu'on vous contacte. On assume ça. Urgent. Vas-y. Bah, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir les Chinois. Ciao. Oh, Sergio, plus jamais tu me fais ça. Là oui, vraiment, c'est... Mais ouais. Tu fais ça d'aventure, le cul à ta mère. Tu fais quoi, Herman? Vas-y, t'inquiète. Sergio tout court, mon cabron. Ouais, devant l'armurerie de notre barrio, ils ont. Non, mais frère, la bouffe espagnole, wesh, s'ils mangent pas. S'ils mangent pas du porc 4 fois par jour, y'a plus rien. Pourquoi ils nous suivent? Vas-y, arrête-toi sur le côté, je les entends. Merci Spout, non, mais on vous aime les espagnols, hein. Vas-y, descends, Fuego. Ah, je sais pas, il veut quoi. Descends pas, Fuego. Oh là là. Oula. Messieurs, restez proches du véhicule, reculez. On peut vous aider. On s'arrête, on fait quoi? Comment ça? Et ne bougez pas, merci. Restez derrière le véhicule. Sergio, toi tu cours. Dès que je te dis, tu cours, d'accord? 1, 2, 3, cours maintenant, on va te secourir. 1, 2, 3, vas-y. Ils prennent la fuite à pied et un en véhicule, on prend celui-là en véhicule, on regarde. Ouais. Parfait. Parfait. Rebla de couleur gris. Mets en évidence, mets-toi, mets en évidence. Ah! Arrêtez, je suis handicapé! Je suis handicapé! Allez, arrête-toi, tout de suite. Vous n'avez pas le droit de vous en prendre un handicapé. Tu t'arrêtes, main face au mur. Pardonne. Dépêche-toi, je dis tout de suite. Un individu intercepté. Vas-y, mets-le. Il a rien fait. Ok,
Bouge pas, je te mets les mains derrière le dos. C'est pour votre sécurité, la nôtre. Ah, plein. Et je vais t'aider à te relever. Je suis handicapé, cabron. Vous allez voir mon avocat. Il a pris la fuite alors. D'accord, on l'attend ton avocat. Mais non, il m'a pris la fuite, il devait rejoindre une chica et il est en retard. C'est tout. Très bien. On va aller discuter un peu plus loin. Non, j'ai pas d'arme, j'ai que la hachette. Et sinon, la vraie raison pour laquelle tu t'es barré. Il devait aller voir une chica. Je vais te proposer deux choses. Tu t'appelles comment déjà pour commencer? M'appelle Miguel. Très bien. On va attendre avant de partir, Mike. Ouais, c'est bien. Okay. Tu vas finir par te taser, ça sert à rien. Ah, c'est pas personne. Miguel, du coup. Je suis handicapé, il y a un coup de couteau dans les fesses. Attends, écoute-moi. Deux options. Arrête de marcher, arrête-toi, on va se poser deux secondes. Pardon. D'accord, t'as deux options. Oui. Première option, on joue full honnêteté et ça va bien mieux se passer. Ou sinon, on joue à se raconter des histoires comme vous venez de faire, d'accord? J'ai pas compris. Je vais vous expliquer les choses. On arrive dessus. Il y a eu signalement de tir, d'accord? Avec un rebla signalé avec 4 personnes occupées, dont. Oui, on l'a arrêté, il était avec le rebla. Oh non, il a l'arme, ça joue froid. D'accord, on sait très bien que c'est vous. Donc, première option, vous m'expliquez juste pourquoi vous avez fui. Full honnêteté. J'étais avec eux. Ça peut très mieux se passer que. Vous êtes descendu du rebla. Que de se raconter d'histoires, tout simplement. Alors dites-moi. Ok. Raté ! Attends ! T'es sûr de toi ? Arrêtez ! Tu vas rater ! T'es nul ! Arrête ! Mais tu vas te faire mal tout seul, tu te fais mal tout seul là. Ah ! Il est mal ! Aïe ! Il est même moi, pas parti. Je me suis raté ! Sergio il est même pas parti, sérieux. Non mais j'ai fait ça pour Sergio les frères. Il est là pour quoi celui-ci ? Bonjour. Oh, putain, c'est le voleur de moto. Bah tiens, outrage à agent, 100 balles, tu vas te bouffer. Tiens. Non, Hermano, il savait pas que c'était un agent. 100 balles et 10 minutes de prison. Mais Hermano, il savait pas que tu étais un agent, ça compte pas. On a du boulot. Tout putain madré. Justement, il y en a un, qu'est-ce qu'il fait là lui? Deuxième outrage, vous rajoutez, plus 100. Non mais Miguel, je t'ai dit quoi? Salut Santana. Capitaine. Je t'ai dit quoi? Mais Hermano, c'est une quiproquox. T'as été arrêté pourquoi? Et pourquoi il était en voiture? Qui s'occupe de la personne? Il a été arrêté pourquoi 96? Pour refus d'obtempérer, il était à l'intérieur du véhicule où il y a eu les coups de feu. Oui, mais on a arrêté son collègue. Sur Bohan et le Rebla, du coup, il était dans le Rebla. Ils ont. Ah bon, laisse-moi deviner, Miguel. Allez, tu dis juste oui ou non. Vas-y. Il y en a un d'entre vous qui est armé. Vous avez fait un drive-by. Ensuite, vous avez pris votre véhicule. Non, c'est pas vrai. Pour éviter qu'il y en ait un qui se fasse péter, vous êtes tous descendus. Et le chauffeur, il a tout pris. Non, c'est pas vrai. Et t'as fait quoi, Miguel, du coup? Bah, il est couru. T'as de la chance qu'on n'a pas chopé celui qui avait l'arma. T'as de la chance. Non, on n'avait pas de arma. Ah, bah, tu faisais quoi? Je m'occupe déjà de quelqu'un. Finissez votre. Il y avait quoi sur lui? Il y avait un truc concret, lui, de la drogue, dans le futal, peut-être. Non, rien. Si j'ai bien compris, il avait une machette sur lui. Une hachette. Non, une hachette de bûcheron, pas une machette. Voilà, une hachette. Ça rien. Son collègue, il avait une arme à feu et pochon. Ils avaient que dalle. Putain, sans semblant. Merci Joker, merci Spoutz, merci mes frérots. Non, mais moi, je suis réinséré. Je crois qu'il a rien compris. Vous êtes réinséré? Oui, pour qu'il ait fait un peu de prison à l'époque, mais c'est fini, moi, les bêtises, c'est pour ça. C'est un quiproquox. Un quiproquox. Non mais c'est vrai, tu rigoles, cabron. Tu me parles de quel bouillon? Non, je rigole pas, monsieur, je rigole pas. Ouais, vous allez bien vous en sortir alors, si c'est... Relais, ou quoi, là, parce qu'il faut... Ils sont dépassés les pauvres. Bon, attendez, monsieur, je vais vous trouver quelqu'un, moi. T'es occupé, toi? Ok, d'accord. Je vous invite à me suivre, monsieur Miguel, du coup? Oui. Monsieur Karaoke, s'il vous plaît. Monsieur Karaoke, pardon. Karaoke ou Karaoke? Karaoke. D'accord. Très bien. Vous allez rentrer dans la cellule numéro 4, du coup. Mais arrête, mais y'a rien fait! Oh, elles sont belles les cellules ici. Hein. Ah oui. Ah, mais il reste ici même une semaine si tu veux. Ça fait beaucoup quand même. Quelqu'un revient dans 2 minutes, du coup. Oui, c'est vrai. Mais y'a une télé et tout! Mais il reste toute ma vie ici! Dis-moi, tu t'as pris une plainte d'un certain Miguel Lancio concernant l'agent 11, non? Bonjour! Hello, sir! Oh, Armando, tu te rappelles de moi? Il t'a frappé au barrio! Tu m'as frappé? Oui, t'es mis du steak! Je m'en souviens pas. J'avais perdu un petit peu la tête. Mais bon, je suis là pour suivre tes règles. Pour? Teodoro Miranda. Pardon? Tu as besoin de boire ou de manger quelque chose?
Oui, il y avait une avocate. On avait dit quoi à propos de Cabron? Pardon, ça a déjà été fait, monsieur l'agent. Monsieur l'agent, okay, ça y est. Ça a déjà été fait? Oui, oui, oui. Attends, je vais m'en assurer. Oui. Et je te ramènerai une avocate. Armando, je suis pas ce genre de personne qui va jouer sur les droits. Je te promets, ça a été fait. Vous avez été, comment dire, officialisé à ce niveau-là? Attends, mais il a une jupe, là? Oui, oui, il touche la couteau rep. Vous avez des papiers qui prouvent? Heureusement, s'il n'y a pas de papier, je peux pas vous croire sur parole, monsieur. Respecte que la loi. Y est tout putain madré. Ça marche? Quoi? Ouais, ouais, ok, il est marrant. Je crois que c'était une insulte, ça. Soit vous êtes en mesure de me présenter les papiers comme quoi vous êtes bien du coup... Il faut demander à la Santana. Pourquoi il est en peignoir, celui-ci? Non, il est en jupe, là, j'ai l'impression. Mais non, c'est une... C'est pour... presse, ça regarde... Je me suis fait planter dans la fesse, du coup c'est pour le cicatriser. Ah. Donc ça, c'est un bandage. Non, c'est pas un bandage, c'est une jupe. Pour pas, qui vous a planté dans les fesses? Pour pas irriter mon cul. Vous avez déposé une plainte sur la personne qui vous a planté? Non, c'est je me suis enfoncé tout seul contre un mur. Il y avait un couteau qui était posé contre un mur à l'horizontale. Et moi, j'ai voulu m'appuyer contre le mur. Et c'est rentré dans mon cul. C'est dangereux, ce mur. C'est bizarre, hein. Du coup, je suis presque... C'était pas de chance, Armando. Ouais, du coup... Un agent peut pas... On a les mêmes débardeurs. Oui. Possible. T'as vu? On est frères. Bref, Santana peut pas avérer vos propos. Il faut des papiers pour ça, monsieur. Oui, si oui. Si c'est reconnu, vous êtes censé avoir des papiers sur vous. Ah, mais peut-être c'est l'idée là, c'est pour ça, il vous demande. Non, il est pas là, il doit travailler. Du coup, est-ce que vous avez les papiers? Non, moi je vous emmène à l'hôpital et on voit tout de suite si vous détecte apte. Non, il est pas, pour avoir les papiers. Non, mais c'est pas grave, mais tu mets 50$. On va mettre le prix de l'amende hein, telle qu'elle est. Tu me fais une prix. N'oubliez pas les deux outrages à agent. Ouais, oui. C'est combien un outrage? 100 là. Un outrage, c'est combien? C'est 100. 100, ouais. Non, arrête, pardonne, je retire. Je crois que ça monte à 300-500 là. Non, Armando, je retire ce que j'ai dit. Faites des excuses sincères, peut-être que ça peut être considéré. Monsieur, je vous prie d'agrémenter mes excuses les plus sincères et de trouver la force dans votre cœur de me pardonner. Bon, il y a des mots qui sont balancés au hasard, mais bon, ça a l'air sincère. C'est vrai? Ouais. Du coup, il n'y a plus d'amende, c'est bon? Alors, on retire les outrages à agent, c'est super, merci. Et voilà, monsieur. Il reste $200. De quoi, monsieur? C'est bon, je vous ai passé le papier. Il n'y avait plus qu'à payer vos factures. C'est quoi ce bordel dans le couloir? Pourquoi il y a tous ces glandules là qui sont là, qui travaillent pas? Tout le monde veut m'appeler, Sam. C'est ça? C'est pas du tout. Gère vite fait avec lui 2 secondes. 17. C'est la fête dans le couloir là, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce rassemblement? Pourquoi vous arrêtez, monsieur, déjà? Pourquoi? Ouais. C'est quoi la raison? Non, il courait. Faites ça vite là. Ah, et pourquoi? Faire. Hein? De. tu fais des petites blagues, c'est marrant un peu. Armando, il arrive pas, il sait pas où il me l'a mis l'amende, il sait pas, il comprend pas, il y a rien, il y a pas d'amende. Il t'a pas donné un morceau de papier? Ben. Il croit dans ma poche. Ah ouais? Non, il y a rien nulle part. Hein. T'es sûr? Ah oui, hein! Ouais, il venait sur le côté. Armando, mais il n'y a pas. Il avait donné l'amende? Il n'y a pas eu d'amende. C'est possible. Il a rien eu, hein? Non, il n'y a pas. Au pire, en double, hein, c'est pas grave. Il a pas eu. Bah non, il a pas eu. Ah bah, venez. Juste vous, histoire que je la donne bien à vous. Mais tu me fais penser au Ombré dans Matrix. Non. Ah, là c'est bon. Nickel. La numéro. Oui, c'est bon. Voilà ta mère. 572. Non, par contre, monsieur. Tenez, monsieur. Ta mère. Ouais. C'est bon. Faut lui remettre l'outrage là. Ouais. Faut qu'insulter, c'est incroyable. Vous êtes le capitaine. Vous êtes le capitaine. Il est à la sortie. 2 secondes. C'est le commandant celui-là. Le commandant, ouais. Ah, mais il y a plusieurs capitaines. Par contre, faut changer de tenue. Hein. Faut pas comme ça. Là, par là, viens. Oh, tout putain madre, hermano. Ouais.
Non, non, viens, viens, reviens, reviens, tu vois où, reviens, fais-moi. Viens, viens. Tiens. Regarde, ouvre la porte plutôt de ce côté-là, comme ça. Wouh! Vous avez vos potes en galère là, je sais pas, vous avez fait quoi? J'ai appelé Tuerto? Yeguru. Bah ouais, mais les autres sont dans une sauce et on peut rien y faire. Hein. Pourquoi? C'est parce que. Ils ont été récupérés avec des armes à feu et tout. Arrête! Tuerto aussi? Non, justement, il voudrait parler au commandant. Comme vous voulez. Je vais m'occuper de lui donner le numéro après. Alors, ce dont à quoi monsieur me répond oui, mais j'en ai rien à foutre. Donc moi, je vous montre juste que là, le flic qui est à côté de vous est complètement incompétent. Ouais. Ah, ça, c'est l'histoire. Parlez duquel de flic 09, après, matricule. Ah, monsieur le commandant, mais vous tombez à pic. Bonne courage. Vous tombez à pic. On va demander de venir. Bonjour, non, mesdames. Non, je viens juste pour relever de l'un. Vous avez ramené un monsieur. Commandant pour. Bonjour, ça, mesdames, ça va? Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est vous, non? Ouais, il y a l'incompétence d'un agent, ça m'énerve. Pourquoi? C'est une de respect, alors que je suis en deuil. Enfin, pourquoi tu es en deuil? En gros, monsieur, je vais vous expliquer, monsieur le commandant. J'ai perdu on va aller dans mon bureau. Vous avez perdu votre mari? Okay, vous ferez attention, vous avez. Vous grattez-vous un petit peu la gorge. Oui, j'en ai ras le cul, ça m'a. Ah, non. Ah, vous en avez ras le cul, très bien. Vous avez perdu qui? Je suis, monsieur. J'ai perdu un proche qui est mort. Arrête, c'était ton mari? Non, c'était pas mon mari. Ça veut dire que tu es marié? Non, je suis pas marié. Vous êtes pas marié? T'es en train de me draguer au poste de police ou c'est une illusion? Oui madame, c'est pas une illusion. Oh putain, très direct. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jaya et toi? Jaya, moi c'est très beau hein. J'interromps notre drague, faut que j'aille botter les fesses d'un agent. Attends, non il veut pas te laisser partir, après il veut plus jamais te retrouver. Si t'inquiète pas, ça va, t'es pas tombé amoureux en daroguer, abuse pas. Non mais oh, mais c'est Miguel, foutez-moi. Non, mais on assiste à un coup de foot, taxi qui arrive bientôt. Au revoir, au revoir. Jaya, tu fais on se retrouve après. Oui, au revoir. Au revoir, Jaya. Ah Céline. Ah non, c'est pas Céline. Non, c'est pas Céline, c'est Zoé. Ah Zoé. Ça va, hermano? Ça va, Miguel? Oui, ça va, super. Tu es très en beauté aujourd'hui. Tu vois une string qui dépasse du survêt. C'est gentil. Ouais, c'est une nouvelle mode. C'est stylé, hein? C'est la mode du string qui dépasse du survêt. Bonjour, madame. Mais c'est. Ouais. Qui êtes-vous? C'est pris à Luigi, c'est tout, c'est normal. Monsieur, vous voulez un hot dog et un monster pour vous remettre en forme? Non, merci, c'est gentil, petit bonhomme. On leur demande ou on prend les chaises comme ça? Oh, je les prends comme ça. Mais il y a plein de chicas au commissariat, ça fait plaisir, hein? Il va venir ici plus souvent, merci. Attends, non, surtout pas. Ne touche pas, c'est moi, je fais. Alors, monsieur, avec tout le respect. Avec tes petites mains de princesse. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, la dame là, c'est ma tante, donc attention. Non mais moi c'est Zoé qui veut arrêter. Zoé, bah, là tu fais ce que tu veux. Non mais en vrai tu vas te débrouiller tout seul parce que je sais pas comment faire pour poser une chaise. Allez, force à toi. D'accord, puis vous êtes ton tactile est pas encore là de toute façon. C'est bon. Il ressort déjà. Ouais. Et pour la Jaya. Pourquoi vous avez dit non pas elle? Je vais vous aider. Pardon? Tu vois celle-là qui t'a eu un coup de foudre? Oui. Je t'ai dit laisse parce que je suis en train de voir pour qu'elle vienne habiter à Trenton elle aussi. Arrête. Parce qu'elle a des galères dans son quartier et elle a rendez-vous avec toi. Elle habite où? C'est 02. Ouais. Non, c'est pas le cas. Non. C'est un taxi. Mais tu me ramènes. Ça arrive, les gars. Même qui sont là. Et qui a avec une voiture complètement niquée là. Je crois que c'est ceux qui sont là. Tu peux mettre les gyrophares? Merci. Ah oui, ça doit être. Tiens, je vous le dépose. Et voilà, la course est déjà terminée. Merci. Ok, pas vous voulez me dire? Bon, attendez. Non, c'est bon, du coup. Allez, c'est parti, on va aller. Je vais prendre une patrouille là. C'est passé comment alors, Miguel? Il y a eu une amende de 150$, quoi, je crois. Ouais, ça va quand même. Oui, mais apparemment, Tuerto et tout, ils se sont fait attraper avec des armes à feu. Eh non, y'a que Sergio qui s'est fait attraper comme Sergio. Une merde. Mais c'est une cabronne, Sergio, on s'était fait arrêter, il est couru. Les poyos, ils m'ont couru après, et lui, il est resté statique. Mais la vie de ma mère, de ce que j'ai compris, il a tiré un drive-by dans la cochée. Oui, ce cabron, il est trop con. Il est resté dans la voiture. La vie de ma mère, je suis choqué. Je sais même plus où je vais. Allez, où ce putain d'entrée du pont là? Attends, on a perdu un fil, ça. Attends, deux secondes. Oui, Tuerto. Ouais, il y a une équipe qui arrive te chercher là. C'est bon, je suis avec eux dans la voiture. Ouais, je vais au quartier, j'arrive. Mais ils m'ont fait croire que tu étais fait arrêter, en fait, c'est bon. J'avais de la vie, non, t'inquiète. C'est bien, Tuerto, tu es un grand. Ouais, Miguel, j'arrive. J'arrive aussi. Ah, dis-leur, ils viennent au H-Block. Dis-leur qu'ils venez directement au H-Block, il a dit Tuerto. Pas au H-Block, ou pas au H-Block.
Oh, attends. C'est fils de pute. À quoi alors, Tourito? Ça pue, c'est un peu. Hein. Il peut te mettre sur les baisses, tu veux, mais. Ah, ouh, ok. Allez. Ah, ouh, c'est bon, c'est au Jaltier. Je sais pas du tout, je sais pas si c'est juste. Eh les gars, moi je connais pas les règles de sa mère. Heureusement, il s'est pas fait. Je sais pas si c'est juste un truc RP qui est moche, de tirer en voiture, ou si jamais c'est dans le règlement. Je sais pas. Moi, en vrai, cette version, je suis plus un joueur qu'un staff là. Là, ils se sont bien mangés là avec ce qu'il a fait à son à leur collègue tout à l'heure. Ma mère. On fait quoi? On rentre en intérieur, il t'a dit hein? Oui, rentre. Ok, ok. Il a dit, tu viens, tu fais un drift. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est signe, voilà, si c'est signe de respect. Allez hop. Voilà, là, je me prenais pour un cartel, je sais pas quoi, j'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit. C'est qui eux encore? C'est les où? C'est les où? Mais les où? C'est des Chinois? Planté par non, c'est pas. Non, c'est les où? J'ai une gueule de Chinois quoi. Mais il comprend rien, tu vois. J'ai une tête de Chinois. C'est l'audit. Bah non, c'est pour ça. C'est l'audit des où ça, Miguel? D'accord, bonjour. Mon neveu, Ghost. Mais tu as pas une tête de Chinois? Eh, j'en peux plus de lui déjà. Bref. Vas-y, carré. Eh, du coup. Ouais, moi, en fait, ils vont voir que soi-disant, tu voulais grossir, je sais pas quoi. C'est pas du racisme, hein, c'est vraiment juste que tu ne ressembles pas à un Chinois. Parce qu'on n'est pas des Chinois, bah. Il est défoncé, lui. Ouais, il sort de. Ouais, mais en même temps, il est défoncé, mais ça se voit qu'il est foncé. Ah non, je suis clean. Les man. Ah, t'es clean. Tu veux du crack? Je n'ai pas ça, j'en ai la fois. Au cabaret. Ouais, bref, donc du coup, il m'a dit, ouais, écoute, regarde le mec qui est en train de grossir à côté de toi. Et vas-y. Et le mec, il... apparemment, tu sais, là, tu te mets dans les transactions avec les cartels sur la mette. Et la mette, ça, c'est mon produit. Eh ben, écoute. Ils essaient de me faire comprendre, en gros. Ils essaient de me faire comprendre. Oh là là, les fils de pute. Ah, ils sont malins, ils sont très forts. Ils sont très forts, toi, Erto. Tu le sais très bien. Mais le mec qui est derrière toi ou pas? Qui est derrière moi? Ouais, ouais. Ben, là, je bloque, l'ont mis à poil par rapport à la mette. Parce qu'ils veulent prendre le contrôle de la mette, eux. Voilà. C'était sûr, mais moi je te le dis, c'était sûr, je le sentais le truc arriver, parce que comme ils ont dit mettre, ils m'ont dit ouais tu vas te fournir où et tout, tu vois. Sauf que moi, t'as vu, à foison la mettre. Et après ils nous disent ouais, on est autant calibré que vous, machin, il essayait de me faire le truc. Il m'a dit ouais, c'est quoi ton matelas, tout ça, il essayait de... Tu vois, écoute, je l'ai mis sur des fausses pistes direct. Chiennes, tu vois, c'est des grosses chiennes, ils sont venus, ils ont drive-by pendant la séance de sport de Fuerte à 4h du matin, et moi... Je lui ai tiré dessus en pleine soirée, quand il y avait tout le monde chez lui, ils ont couru comme des petites chiennes, tu vois. Le truc, c'est que là, il doit voir les gens. Ouais, man. Pas qu'il s'est mis à dos, là, et en gros, il a pris que... Ça va, Hermano? Ouais, toi. Et du coup, vous êtes pas des Chinois, vous? Bah non, pourquoi tu crois qu'on est des Chinois? Les où? Bien sûr. Les où? Ah, parce que c'est une consonance asiatique. Bien sûr. Il y a un groupe qui s'appelle les Wu-Tang, c'est pour ça. Bah, tu vas rigoler. Ah non. Tu sais qui j'ai été en train de vendre chez nous? C'est... Ça vient de quoi, vous, du coup? Ça, man. Les Niners. Nous, c'est W-O-O. Ouais, vous êtes les Wu? Voilà. Mais on dit les Wu. C'est quoi votre background? Non, mais ils vendent sur notre terrain. Il est très long à expliquer. Nous, on sort de plein de quartiers, man. D'accord. Et on s'est tous unis ici parce qu'on n'est pas des salopes. Oui. Et tous les gens avec qui on était, ils ont essayé de nous prendre pour des salopes. C'est vrai? Ouais, man. Même nous? Non, pas vous. On n'était pas dans votre coin. En fait, regarde, ah, oui. Ils voyaient que sur l'île là-bas. Ah, en gros, vous êtes les déchus de partout. Vous êtes réunis et vous avez fait une groupe. Le Bronx, c'est les H. Non. Par exemple, il y en avait un, c'est un déchu des Crips. L'autre, c'est un déchu des Bloods. L'autre, c'est un déchu des HK. Voilà, c'est ça. Vous êtes réunis. C'est bien, c'est bien. Comme Booba a dit, l'union fait la force, demande aux victimes. Comment ça, des déchets? Non, déchus. Déchus. Ah, j'ai compris. Déchets de loin, je me suis dit wesh. Quel bail. Ah oui, c'est vrai, tu t'es dit wesh, quel bail, tout putain madré, toi aussi, avec ta tête d'haricot. Quoi, ma tête? C'est quoi là, ma tête? Toi, une petite tête, une grosse coupe. Vous deux, ok, c'est bon ou pas là? Non, mais c'est vrai, hein. Tu viens pour quoi faire, j'osais pas lui dire. Laissez mes cheveux tranquilles, bande de. En gros, ça te fait une grosse tête, on dirait que tu vois une perruque. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est des vrais, hein. Je t'assure. Tire-les. Non. Ouais, what's up, les boys? Et t'es arrivé quoi, toi, boy? Ça dit quoi? Je me suis fait planter les fesses. Comment ça a pu t'arriver? Bjorno, un chico des H-Bloods, il m'a planté dans les fesses.
Ashblood. Après les Mexicains ouais, avec nous, ils ont fait les bons. Ils ont envoyé la fond de balle. C'est un mix des deux, ça. Je sais pas trop. Dis-moi, y'a quoi? Vas-y, force à toi, rétablis-toi bien, boy. Merci, t'es un bon, hermano. Ouais, tranquille. Et quoi, votre Rudy, il est fort ou il est nul? Dangereux. Comment il s'appelle? C'est qui le maillon faible de votre groupe là? Celui, c'est un peu la victime de la bande. Celui-là avec le. De quoi? Le truc blanc là. Tu vois, le pantalon noir et. Et le bonnet blanc, là, ah, mais en fait, le bonnet, j'ai capté. Parce qu'en fait, la toi, coupe ils ont bizarre, parce que ton gars, ah, au fond il était. Je sais pas quoi, ouais. Il était. Ah oui, okay. Comment il s'appelle? Dédé. Dédé? Ouais. C'est qui un peu le fort charismatique, celui qu'on appelle quand vraiment il y a embrouille? Bah, Ghost. C'est le OG? Ouais. Oui, non, mais en dehors de lui. Scrappy. Scrappy, c'est un bon. Scrappy, c'est lequel? Ouais. C'est lui avec la casquette, là. Le deuxième. À l'envers? Ouais. D'accord, ça marche. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Oupi. Oupi? Ouais. Oupi. Diminutif de Oupinel, man. C'est ton prénom? Non, c'est mon blaze. C'est quoi ton prénom? C'est Curtis. Curtis? Oh, ouais. Comme 50 Cent. Ouais. Ouais, je crois. Oui, il s'appelle Curtis. Curtis Jackson. Ah ouais? Oui. Ah, moi, c'est Johnson. Oh, presque comme lui. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Hein. Voilà, presque comme lui, moi. Et toi, c'est quoi? Miguel. Miguel. Je connais pas de Miguel. Miguel, comment? Miguel, racontez. Mais ça va, tu sors d'où comme ça, moi? Pourquoi j'ai jamais entendu parler de toi? Alors que t'es le neveu de Torto. Il vient pas d'ici, moi, à la base, Armano. Il vient de Los Santos. Ah, ouais, c'est quoi, c'est sud du continent, ça? Oui, voilà. Tu veux. Il était une Vagos, tu connais ou pas? Non. C'est une gang de là-bas, mais bref, c'est une longue histoire. Ok. On m'a coupé les cojones, il n'y en a plus de couilles. Non. Montre. Vraiment, tu veux voir? Bah, tu peux pas montrer. T'en as plus. Mais tu peux te montrer que c'est vide. Ouais, vas-y, montre. Regarde. Oh la dinguerie. T'as vu? Oh, man, cache ça, parce que si ça t'as pas de couilles, man, ici, ça va te tailler sec. Non, mais Hermano, il y a pas de couilles dans les jambes, mais il y a des couilles dans la tête. T'inquiète pas. C'est qui pour toi? Ouais. C'est qui le mec là? Tu m'as l'air bien tatoué et pourquoi il est comme ça? Oui, c'est vrai. Il lui arrive quoi? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles, hein? Faut pas écouter ça. Ça te fait rire? Quoi? Par la qui, lui? Bah, à toi. Non, je rigole pas, tu rigoles ou quoi? Il y a l'impression qu'il y avait une rectus dans ta voix. Non, pas du tout. Là, il y en a encore un, il entend. Il entend ton rectus. Non, quoi? Arrête tes conneries. C'est quoi un rectus? C'est quoi un rectus? C'est une... Ouais, d'ailleurs, c'est quoi un rectus déjà? C'est une petite sourire. Ah, d'accord, ok. Non, t'inquiète. Alors, tu t'es fait. Ils t'ont fait quoi là? Ils me suis fait planter. On plantait la ah ouais, les histoires. Mais on m'a planté la vengeance. La vengeance. C'est bon, c'est déjà fait. Il est muerto celui qui m'a fait ça, Armando. Vas-y, c'est carré. Mais oui. Miguel, c'est ça? Oui, Miguel. Et toi, c'est. Attends, il m'en rappelle. Toi, c'est. Moi, c'est Ghost. Snoopy. Ah non, mais arrête, c'est pas toi. Ghost. C'est Ghost. Mais c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Ghost. Les gars, on y ton prénom? On doit bouger là. Ah, mon prénom, c'est Kurt. Kurt. Ça marche. Ouais. Oui, c'est bien, Kurt. Miguel, on se bat là. C'est bien, vous êtes des bons. Il repasserait des fois chez vous comme ça, comme si c'était chez moi, d'accord? Non, je pense pas quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, mon gars, il fait quoi avec une jupe, lui, les gars? J'avoue. Mais non, il est pas en jupe. C'est chez moi, ça? C'est moi. Oui, parfait. C'est moi. Depuis petit, j'ai ramené Anthony et Manny, tu connais. Si t'as que pour la moitié, tu connais. Mais c'est la vie, tu connais. Gros phare berline noir. Je vais rien te faire. Y'a quelqu'un qui l'a touché ici? Non, c'est ce qu'on m'a dit. Non, justement, rien fait. C'était des bons de fou, vraiment. Lève-toi. Ok, je suis un peu stressé. Je te T'es au courant de ce qui se passe là? Non, pas du tout. Je sais juste qu'ils ont fait apparemment une dinguerie à un de tes gars et. Non, ils ont fait des dingueries à mes habitants et à mes gars. Je sais que t'es un habitant d'H-Block. C'est vraiment des enfoirés. Mais tu sais que je t'aime bien. C'est vraiment des enfoirés. Voilà, écoute-moi. Toto, c'est des enfoirés maintenant, je le dis. Moi, je vais te dire un truc, t'as vu? Toi, dis-moi. La dernière fois, tu m'avais invité à. Au truc là, à Shabbat là. Ouais. Donc je connais un peu toute ta communauté. T'as merci Steve. Écoute, t'as vu Hermano? Je t'aime vraiment bien, mes gars, je leur ai dit, vous touchez pas un cheveu à lui.
Faudrait mettre des items dans les poubelles, sérieux. Rama, tu peux trouver des trucs des fois. Ils ont enlevé tous les habitants de mon quartier. Tu sais ce qu'il leur faisait? Il leur faisait mettre sur un toit et leur disait de sauter. Moi, je suis pas de la même manière qu'eux, moi. T'es sérieux, là? T'es sérieux? Moi, je suis quelqu'un qui fera pas les femmes. Donc, je vais pas m'attaquer aux femmes. Je vais pas m'attaquer aux gens que j'aime bien. Parce que j'ai une parole. Moi. T'as des principes, Turto. Des principes. Écoute. Oh, mais toi et mon ami juif! David, David, c'est toi! Oui, oui, Hermano! Shalom, shalom, David! Shalom, Hermano, je t'avais pas reconnu! David, sur la Toto, regarde! Eh oui, ils t'ont fait une dinguerie, c'est quoi ça? On va les niquer, eh! Non, mais sur la Toto! Non, mais tu vas voir, on va les niquer, tu vas voir! Surtout sur la Toto, nique-les, ils font que de la merde! Tu vas voir! C'est qui le mec à gouler en haut? C'est moi! C'est nous! Ok, ok, écoute. David, fait plaisir de te voir! Eh oui! T'as vu ton numéro? J'ai ton numéro, j'ai, bien sûr! Écoute! Écoute-moi! Dis-moi, Turto. Miguel. David. Oui, Hermano. Shabbat, mon frère. Shabbat, il m'a invité à Shabbat, lui. C'est vrai. Mais venez, venez vendredi. C'est au musée. Les amis juifs de mes amis juifs sont mes amis juifs, Hermano. Écoute. Béni, écoute-moi, Hermano. Béni, David. Donc là, c'est la communauté, là. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr, c'est la communauté. La communauté. Non, la communauté, la communauté. La communauté, hé hey. Toi, passe avant tout la communauté. Écoute, malade, quoi. Moi, je vais jamais te balancer, je vais jamais te mettre dans la merde. Je te conseille de quitter leur quartier. Hé, hey, Turto, regarde, c'est quoi, rends-moi un service. Sur la Toto, il y a des gens, ils m'ont dit en ville, il y a un quartier où la communauté, ils habitent. Est-ce que vous savez aussi? Non, David, sur peut-être. Sur la Toto, maintenant, s'il y a un David, quartier où la communauté, j'y vais dire. Mais c'est chez nous! C'est chez vous! Mais Hermano, moi aussi, je suis une habitante de là-bas! Mais voilà! C'est la communauté! Mais bah sur la Toto, non, voilà, je sais où je vais vivre! Eh oui! Mais toi, t'es comment avec, avec l'île des villes et Arf? Ah, tu sais, je les ai fait grandir! Ok, donc ils ont une confiance de fou en toi? Ah ouais, je te mens pas, ouais! Et je les ai vus grandir, c'est mes petits frères, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais ils m'écoutent pas apparemment quand j'essaie de les éduquer, tu vois ce que je veux dire? Donc. Donc tu vas pas vendre tes petits frères? Comment ça, Turto? Un petit message quand ils sont dehors, quelque part, à un endroit bien précis, que personne ne sait où ils sont, et qu'il y a une équipe qui vient et qui tire, sur les petits, ou sur les grands. Petit truc comme ça. T'es trompé? Si c'est ça ou ma vie, la vérité. Non, merde. Jamais de la vie. T'as vu, moi je suis pas une salope comme eux. Moi je vais te laisser le choix parce que t'as toujours été respectueux. Merde, pardon. Non, c'est pas grave, David. Hermano, David, pardon. Toujours été respectueux. T'as toujours été respectueux avec moi. Toujours, j'ai toujours essayé en tout cas, Turto. Je suis comme ça. Non, je t'as tout. Tu viens au cours de sport, t'as bien vu hier ce qui s'est passé au cours de sport. Bien sûr. Ça a tiré, c'est qui? C'est les mecs de chez vous qui ont tiré. Écoute. T'as vu, ils savent dire qu'ils savent que t'étais là-bas, ils savent qu'il y a tes... Non, ils savent qu'il y a tes petits de là-bas, c'est-à-dire ils s'en battent les couilles de tous votre... T'aurais plus pas une balle, Mais la preuve, Turto, c'est que la dernière fois, tu te rappelles quand on était au quartier, il y a des mecs qui sont venus... Ouais, c'est eux. Le directeur de l'hôpital, il a pris deux balles dans le corps. Écoute-moi. Je vais pas te demander de faire un choix, jamais de la vie. Aïe! Maintenant, tu fais comme tu veux, t'as mon numéro. Je voulais rester sur la barrière. Dans une semaine, dans 10 jours... Je voulais me caler. Dans 20 jours, demain... C'est tout. C'est tout ce que j'ai à te dire. Eh, hey, Hermano, qui a le numéro de Jaya? Le numéro Jaya, tu as le numéro? Moi j'ai le numéro, je te passe après. Parfait, quoi, tu veux parfait. Tu veux maintenant? Non, c'est bon, fini avec le frangin, fini. Ça a l'air d'être une donneuse de Goël. Oui, c'est pour ça, il veut que ce soit ma femme. On va la voir après, on va faire un rendez-vous avec David, elle. David, fais gaffe à ce qu'elle soit de la communauté quand même, parce que... Oui, t'inquiète pas, on se marie qu'avec des sœurs. Enfin, imagine après, tu cuisines pas cachère, elle te met les mauvais couverts et tout. Eh oui, c'est pour ça, non, t'inquiète pas. David, t'es fou quoi, sur la Toto, t'es malade ou quoi? On sait ce qu'on fait, Hermano, c'est ce qu'on fait, t'inquiète pas. T'es un bon, David, t'es un bon. Eh, Turto, en tout cas, sache que je suis désolé de tout ce qui est arrivé à tes habitants et tout. La Toto, c'est pas toi. Non, mais je te le dis, j'ai essayé de les éduquer, j'ai essayé de leur donner des conseils. C'est pas toi, écoute bien. Écoute-moi, t'as vu les gars, l'émission? Quelle mission? Je veux pas te frapper à toi, tu vas jamais être quelqu'un d'autre. T'as rien fait, c'est bon? Tu veux venir avec nous? On a quoi à faire? On doit attraper une chica là. C'est parti. On va attraper qui? Faut qu'on attrape qui? Lilchi, les gars, Lilchi, elle traîne au coiffeur et tout, faut pas l'attraper là-bas. Là-bas, une voiture, viens. Il va y arriver.
Merde. C'est où? Bah, va au coiffeur. Chez le coiffeur. Ouais, chez le coiffeur. Putain, dites-moi que vous avez fini, moi j'ai... Non, merde. Putain, presque, attends. Ouais, Barto, c'était normal. Vas-y, Barto. Non, mais sérieux. C'est trop dur. Tu veux que je te le fasse? Tu es fort? Je sais pas, je tente en vrai. Hein. Oh merde, il y a les poules, là. Oh, ouais. Oh, réussi. Bonsoir, monsieur. Ah non, la vache. Arrêtez-vous. Vas-y, c'est bon, pardon. Oh, bien vu. Dis plus d'infos. Bonsoir, monsieur, on s'arrête, s'il vous plaît. Ah, il arrive pas à mettre le masque. C'est pas attrapé. Ah, mettez votre masque et ensuite vous pouvez repartir. Vas-y, on s'arrête, pas de temps. Vas-y, appelle des gens, attends là, Tu veux changer de position? Tu veux mettre ton masque, après on change de position ou quoi? Non, c'est bon, il va y arriver. De toute façon, on va aller se marrer, t'inquiète pas. Vas-y, je t'en fais confiance. Merde, mais je connais pas cette ville, moi. Personne la connaît, hein. Ça va niveau 100, c'était bon ou quoi? Oui, ça va. Ok. Il m'a pas le permis, cabron. Ce qu'on fait, si t'aimerais vraiment pas, on se laisse là et chacun se barre de son côté. Hein. Oh merde, c'est l'armée ici là? Non, c'est un truc sécurisé, ouais, c'est un truc sécurisé. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Aïe! Oh, pardon! Pardon, tout va bien, monsieur l'agent? Bah, ça va pas, bien. Ouais. C'est quoi sécurisé? Pourquoi sécurisé? Je sais pas, ils nous ont dit ça dès qu'on est arrivé. À chaque fois, ils nous répètent ça, à chaque fois qu'on est là, ils nous disent attention. C'est tout. Putain, mais je suis trop nul en conduite. Oh merde. Oh merde. Aïe. Miguel, il roule. Apprends à conduire. Attends, mais je crois qu'on est bien ici en vrai, ils peuvent pas rentrer. Ah ouais? Oui. Et comment on sort? Je sais pas. Putain. Ma cabeça. Ah. Ça va les Armano? Ouais, tranquille. Ça va. Aïe, cabron. Pourquoi vous m'avez laissé conduire? Pourquoi? Je sais pas. C'est toi qui es en train de faire les fils. Ah. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, je vais appeler Rico. Dernier code. Essayez de sortir les gars, vous allez bien marcher. Je t'ai dit... Trouve une carucha, essaye d'attraper la... Oh merde, ils arrivent. Courez. Sacrifie-toi. Courez. Oh, je suis mort. Allez, bougez plus. Non, personne. Allez, tapez le mur. Il est mort. Allez, retournez-vous. Non. Allez, on fera une formation là. Alors, ça vous amuse? De quoi? Ça vous amuse? Non, ça vous amuse pas? Non, Hermano, ça m'amuse pas. Hein. Non? Allez, vous allez venir avec moi? Oui. Allez, suivez-moi. Il arrive. 09, j'en ai attrapé un là. J'ai besoin de quelqu'un là, juste en arrière. Interpellé, moi j'en ai un. Ah! Ah! En aide! Arrêtez où je saute! Je vais sauter, je vous préviens! D'accord, et alors? Ok, je vais te taser, d'accord? Arrête-toi. Non, pas encore! Je suis cardiaque! Non, j'ai pas envie de je suis cardiaque, c'est bon, c'est bon! Arrête-toi, merci. Voilà. Putain, c'est fou, bon. On va passer la soirée à se courir je après. Je te repasse les menottes une deuxième fois encore? Non, c'est pas vrai! Tu vas pas te mettre à courir. Et ben alors pourquoi tu fuis encore une fois? Mais je sais pas! J'aime pas les poyos, quand je vois les poyos, je cours! Me sors pas que tu sais pas, tu sais très bien pourquoi tu te barres, pourquoi? Dis-le nous! Fer, cabron, fer! Voilà pourquoi! Tu te sens drôle là.
Hermano, quand je vois une poignasse, je cours. D'accord, et nous quand on voit des mecs qui courent, eh ben on les course. Eh ben on va se courir après tous les jours. Ouais, sauf que pour l'instant on a 2 points et toi 0. Oui, parce que je suis blessé, mais tu vas voir quand je vais me remettre de mes blessures. L'individu qui a frappé l'agent est interpellé. Allez, lève-toi, mets-toi contre le mur. Ah, il m'a envoyé une bonne droite. Ok, d'accord. Ah, parce qu'en plus, t'as tapé un agent. Non, il est pas frappé. Mais non, il est pas frappé. Si, regarde, il va se faire un plaisir de te mettre les menottes. Un plaisir. Une préparation d'abord. Y'a rien, hermano, y'a rien. Ouais, c'est lui qui volait le véhicule. C'est lui qui conduisait le véhicule. Ah, c'est lui qui a volé le véhicule, le FQ2 bleu. Oh, okay, incroyable. Non, voilà. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, c'est chou. Je t'ai vu. Ok, allez, c'est parti. Ah, il m'a envoyé une lourde. Votre véhicule est où là? Eh oui, mais il me suis dit, tu vois un gros menton, tu vas encaisser. Ouais, mais le menton, c'est pas l'œil. Vas-y, on vous laisse, faites gaffe. À tout moment, il va vouloir. C'est que nous, notre voiture, elle est pas du tout ici. On va tourner là-bas. Non, monsieur, restez là. Aaaaaah! Ils sont 1 million en le plus grave après. Pas besoin d'être 10 000 derrière lui. Vous m'arrêterez jamais! Aïe! Ça, c'est bon, on s'occupe de lui, les gars, on s'occupe de lui. Quel fils de pute! Il a passé un vol de véhicule et après. Vol de véhicule? Vol de véhicule, conduite obtempérée, conduite dangereuse et il a sauté dans le pont avec un véhicule. Et agression sur un. Ok, héros des putains, Salvatore! Hiro de puta Salvatore, tu m'as écrasé, fils de pute! Je t'ai pas écrasé, je t'ai tasé! Ah, mon dans le véhicule! Pour une fois qu'il y arrive en plus? Ouais, pour une fois, hein! Je te jure! Cours pas, Miguel, s'il te plaît! Miguel! Allez! Bon, on fait quoi là? Ah, tu m'arrêteras jamais! Ok, c'est bon, tu m'arrêtes! T'as un recul en fait? Quel là? Il m'a écrasé, Salvatore! Il est dans la ruelle devant, repasse là où il est. Ouais, il est là. Allez, tu montes dans le véhicule maintenant. Oui. Pardon. C'est 54. Il a les menottes? Faut lui la misère. Oui, je suis menotard. Ouais, c'est bon. Menotté. Ouais, c'est tout bon. Bon, on lui met la misère? Ouais, la misère. Mais non, pas la misère, j'ai rien fait! Fais-lui la misère. Tu veux vraiment la misère? Ah, fais-lui ce que tu veux. Vol de véhicule et quoi encore? Attends, tu peux me remettre les menottes bien? Comme ça, ça me stresse sinon, s'il te plaît. Ah ouais. Ah oui, t'es con. Ah ouais, t'es sacrément con là. Ah oui, tu es vraiment con là. Vraiment là. Allez, menottes le 02. Comment il a fait pour se menotter lui-même? Eh, je sais pas, j'en ai marre. Ah, faut que tu me démenottes d'abord. D'abord, tu me démenottes et après, tu me remenottes. Attends, d'abord on s'occupe de lui là. Bon, et ensuite, alors je le fais. Tu me démenottes, après tu me remenottes. C'est bon? Oui, c'est bon, maintenant on remenotte. Merci Armando, merci. Allez, c'est bon. Vas-y, attends. Allez, ciao! Attends, vol de véhicule et quoi? Il est frappé un peu, il est frappé. Poursuite, agression. Refus d'obtempérer, conduite dangereuse. Allez, t'inquiète. Vous l'avez fouillé? Oui. Non. On va s'en occuper. Ouais, occupe-toi. Ouais. Tu vas faire une bavure. Moi? Nous? Bah, il est fou. Mais jamais on te fait une bavure. T'es un malade. Ah oui? Mais oui, Miguel. On va aller au commissariat, on va t'appeler un avocat gentiment. Il faut pas faire de bavure, il y a rien fait hein. 54 à centrale pour 09. Précisément, il y a deux véhicules à vive allure qui vont arriver dans ta direction, tu peux les poursuivre. Tu es quel rang que toi, Salvatore? Bientôt sergent. Et toi, à droite? Le même rang, bientôt sergent. Ah mais toi, tu habites chez moi, non? Oui. Ah, ça va, hermano? Ça va, tranquille, et t'as fait quoi encore? En gros, je suis monté dans une voiture et je croyais que c'était la mienne. Après, il y a eu un jeu vidéo qui s'est ouvert. Il fallait faire de bon timing. Du coup, j'ai essayé. La voiture a sonné. Après, il y a les poyeux qui sont arrivés. Sauf qu'il a réussi au moment où les poyeux sont arrivés. Du coup, tac, j'ai accéléré, accident. Ils m'ont poursuivi. Patate, couru. Et après, Ah, tu mets des patates sur nos agents. Oui, mais c'était. Ah, hermano, tu sais. De là où il vient, on mettait plus que des patates, cabron. Hein. 02, on a le choix. Soit on lui fait la spéciale du sex shop,
soit on lui fait la spéciale à côté. Non, arrête, j'ai pas de coronet. Est-ce que tu te souviens pas de notre première spéciale, vraiment là où tout a commencé? C'était quoi la première spéciale avec lui? Au fond, au bout de... Non, même pas lui, au bout d'un ponton. Au bout d'un ponton. On le fait courir? Ah ouais, il va chanter et tout. Mais arrête, je suis blessard. T'es blessard, c'est-à-dire t'as quoi? On m'a planté les fesses. On t'a planté les fesses? Quoi? Bah oui. Ah ouais, putain. Tu as pas vu, j'avais une jupe tout à l'heure. T'as une belle vie quand même. Et comment ça se passe là? Vous avez retrouvé ceux qui vous ont drive-ball? Non, pas encore. Pas encore? Qu'est-ce que t'as comme information pour que je te libère? Allez, un petit truc. Une petite truc. Ouais. Faut que ça soit donnant-donnant. Hein. Ben. You drag plus Esperanza. Non, mais non, je veux un truc croustillant, c'est-à-dire quelque non, mais... chose qui m'intéresse. Ah non, mais c'est avéré là, c'est ça y est. Ok, mais moi je m'en fous que tu la dragues plus. Moi je te parle d'un truc genre. La guéguerre. Ça tire, ça canarde, ça flingue. Un truc dans le genre. Surtout qu'on a récupéré certains de vos gars avec des armes. Un truc. Non, c'est pas la guerre trop en ce moment, hein. Je suis où? Je suis là. Aïe. Oh, il était dans l'eau. Ouh. Je sais pas pourquoi. Il arrive à 02, on va le fouiller. Non, remets les menottes, sérieux, y'en a marre. Bah ça va, on va te la remettre. Mais regarde, on dirait qu'il laissait pas. Alors, marteau, masque, casquette, un beau Samsung, des beaux vêtements. Y'a rien. Quoi? Okay. Beaucoup de liquide quand même. Eh oui. Y'a combien là? On doit avoir une machine à billets quelque part. Doit avoir dans les 2500, mais pour qu'il y ait pas de carte bancaire. 2500, t'as pas de carte bancaire. Tu vis bien, comment t'as fait pour avoir 2500? Hermano, c'est mes économies. Même nous on a pas ça. Hein. C'est mes économies. Toutes tes économies? Eh oui, quand je suis arrivé de Los Santos, j'avais braqué une banque. Ah, t'as braqué une banque et t'as pas été condamné pour ça? Eh non, on m'a jamais attrapé. Putain. Bon bah on va faire un bon truc. Démenoter, on va te faire la spéciale dans l'eau. La spéciale dans l'eau? Non, il s'est pas nager, par favor, autre chose. Si, si. Viens Miguel, allez là, avance. Mais il y avait porté plainte. Allez Miguel. Mais tu as pas le droit de faire ça, tu fais une bavure. Mais non, tu restes là Miguel, derrière. On te jette dans l'eau et tu prends pas ta ref niveau prison, t'es content? Non, les prisons, t'as vu comment c'est incroyable, c'est pas les cellules de Los Santos ça. Y'a une télé, des fruits, tu te fous de ma gueule, ramène-moi la prison. 02, chope-le, aie pas peur 02, chope-le. Mais il veut aller en prison. On l'attrape, on le couche, et à la 1, à la 2, à la 3, on le jette. Il est démenoté là. Eh bah super, bah prends-le avec moi. Mais Hermano, il veut aller en prison s'il te plaît. Mettez-moi en prison. S'il vous plaît, mettez-moi en prison. Non. Bonne soirée Miguel. Arrête. Aidez-moi! Il sait pas nager! Miguel! Il sait pas nager! Vol, petit papillon, vol! Cabron, les papillons, ils nagent pas! Vol de tes peurs, propres ailes, vas-y! Tu peux le faire! Allez, viens, Miguel, on te dépose! Allez, c'est bon, rigolez! Ne crois-le! Hijo de puta! Salvatore, je vais te tuer, je te promets! Tu mourras de mes mains! Tu mourras de mes mains, retiens! Retiens le foreshadowing! Retiens le foreshadowing, tu vas mourir! Cabron! Oh, il y a des pollos! Bonjour les pollos! Tiens, je te donne la voiture! Va, hermano! Ah, carré, vas-y, vas-y! Vas-y, monte! Les gars, d'où, hein? Ok, vas-y, super! Ok, ok, magnifique, merci. Bah, je viens de. Mais je me suis fait tabassar par des poyos, des ripoux. Oui, Salvatore et l'autre là qui habite dans le quartier. Ils m'ont jeté à la mer. Ismaël 02. Oui. Ismaël, il t'a fait ça. Et Salvatore, je te promets, ils m'ont mis dans une voiture, ils m'ont ramené au bord de la mer, ils m'ont dit saute, ils m'ont dit saute, ils m'ont attrapé les bras et les jambes, ils m'ont balancé. Tu veux dire Santana? C'est des bâtards. Oui, lui là. Ah, ok. Ismaël qui habite ici, là, il t'a fait ça. Ah, c'est lui, c'est le mec de hier. Tu m'as fait 10 points. Mais tu es pas mort? Non, tu m'as fait 10 points. Comment ça? Et pourquoi tu es pas mort? Tu vois pas mon épaule, là? Pourquoi tu es pas mort, il lui a dit. Accroche à lui, je vas-y. Mais tu es mort? Mais non, il y a un mec qui est venu, il m'a sauvé. Il m'a mis un papier sur la pression. Mais ça, Hermano, il t'a mis 15 coups de hachette, il a écrasé ton visage, tu avais plus rien. Ah bon? Bah oui. Il a découpé tes jambes, tes bras, ton cou.
tout. Tu t'es loupé, hein. Tu as l'épaule. Bah viens, je vais te refaire bien, viens. Oh non, 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 non. Vas-y, je te prends par le callback là, vas-y, viens. Je sais pas, je comprends pas. Viens, Hermano, viens. Viens, viens. Attends, regarde, 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 avant oui. de faire ça. Non, non, attends, laisse-moi parler avant. Oui. Regarde, il y avait la police là, je pouvais partir en courant ou me crier. Oui, je suis resté. Oui, mais c'est pas une question de ça, c'est que. Oh, je prends des photos, Miguel. C'est que là, tu es un fantôme, tu es mort hier, de toute façon. Mais je suis pas mort là, tu m'as blessé l'épaule. Mais non, Hermano, je t'ai mis des coups de hache dans la tête, le torse, les jambes, partout. Non. Ah si. Tu t'es loupé. Mais t'as fait à côté. Non, il est pas loupé là. Miguel, putain. Ah, si. Il faut faire ça bien. Ah non. Après, t'es loupé là. Non, moi je sais pas si tu dois faire ça bien. Je t'ai dit tu t'es loupé hier. C'est attends, regarde, il y avait la police. Je pouvais crier. Mais non, tu peux pas crier parce que tu es mort. Tu es une fantôme. Moi je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Hein. C'est vrai. Oui. S'il te plaît, me frappe pas. Il est venu pour acheter de la coque. Hein. C'est bon. Tu sais quoi, je te laisse en vie là. S'il te plaît. C'est bon, je te laisse. Mais attention, hein. J'ai du mal avec la classe, hein. Tu as compris pourquoi il a voulu te tuer hier? Oui. C'est bon, tu ne referas plus? Non, plus. Parfait, c'est bon. Allez, viens, Hermano. Cours. Enfin, non, cours pas. On a besoin de lui, non? Ah merde, attends, cours pas en fait. Viens. Je suis vraiment trop gentil, hein. C'est fou. Paix et amour. Eh oui. Là, tu peux le remercier. Merci. Paz et amour. Paz et amour. Maha, qu'est-ce que tu fais? Je surveille quand tout le monde. Ah, ok, du coup, tu nous fais repère debout sur une caisse. Non, mais d'accord, je suis guetteur, moi. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il fait rien de mal. Mais les gars, je surveille déjà. De toute façon, je suis en train de regarder ce coin. Ah, ouais, mais au moins, toi, on voit pas que tu surveilles. Tu veux que je te fasse un massage des épaules pendant que tu surveilles? Non, c'est bon, Hermano, t'inquiète pas. Tranquilo. Que ta gueule, Miguel. Arrêtez! Il est pas content. Putain. D'ailleurs, il est où, Sergio? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as attrapé! Descends, Hermano! Ah, t'es lourd, putain! C'est pas vrai, je suis skinny! Ouais, Non, t'es pas skinny! Descends, putain! Hey. Toi, fais-moi descendre! C'est moi qui ai le corona! Hein. Tu me tiens! Lâche-moi! Putain! Merci. Et pourquoi on a besoin de ce cognon là, Tuerto? Il fait quoi, Tuerto? Personne parle. C'est ce que je me demande depuis tout à l'heure. Oui, il est débile. Il y a quoi, dis-moi. Il est où, Bierno? Je sais pas, cousin, appelle-le, t'as son numéro. Et il répond pas. Je sais pas, pourquoi, tu veux quoi? T'es où, toi? Moi, je fais ma vie. Oui, mais c'est quoi? J'ai un mec d'Ashblock, tu connais, nous, on est cotés, quoi, on a deux, trois trucs à gérer. Et tu penses que je peux habiter chez vous? Tu me ramènes Tuerto, t'as vu, tu me ramènes Tuerto sur un plateau avec sa tête. Et ta grand-mère, je te ramène si tu veux une fiche de paye pour un appartement, mais pas à Tuerto. Mais tu crois que tu veux mourir. Pourquoi? Vive dedans, ils vont rentrer, ils vont te mettre des coups de couteau pendant que tu vas dormir. Pourquoi? Ramène-moi Tuerto et peut-être un jour. Je peux te ramener tout puta madre si tu veux, mais pas Tuerto. Ouais. Hermano, je cherche un appartement. Quoi, y'en a pas chez Tuerto? Non, mais il veut un appartement secondaire. Après, moi j'ai un endroit à te proposer. Où ça? Vas-y, fais ta blague. Non, je la fais pas. Mais écoute, ouais, bref. T'as pas un appartement pour moi? Ouais, j'ai un appart. Ouais, tu veux un appart? Vas-y, oui, viens. Pour de vrai. Je te dis, c'est où? Tu viens? Oui. Ouais, t'inquiète. Vas-y, attends, je te dis, regarde, prends une carte là, quelque chose. Ok, je prends une carte, oui, vas-y, fais ta blague, vas-y. T'as vu? Mais y'a pas de blague, prends oui. La carte. Oui, je prends la carte. C'est bon? C'est bon. Voilà. Là, regarde vers le nord. Vers le nord, oui. Attends, déplie-la bien. Ok, déplie bien, oui. Ok, maintenant replie-la. Replie-la et mets-la dans ton cul. D'accord. Putain, je m'y attendais pas. Ouh. Ouais, le club, il ouvre ce soir, viens. Le club? Ouais, prends de l'argent par contre. À quelle heure? Consommation obligatoire.
dans pas longtemps là. Mais quand il va venir, tu vas me planter, vous allez me planter encore ou pas? Non. D'accord, bon. Il vient avec de l'argent, viens avec c'est l'argent. Bon, il vient avec de la plata, et regarde, il ramène des bouteilles d'alcool, des chiffons et un briquet. Pour faire cramer ton club ouais. De fils de pute, c'est bon cabron? Ouais putain, tu sais que je serais venu, je t'aurais baisé ta mère hein. Sérieux c'est... Mais il te promet, il va venir hein, il ouvre à quelle heure? Vas-y viens. Oui, à quelle heure? Je sais pas encore, je vais voir. Eh ben ta putain madre, envoie-moi un message quand c'est ouvert. Tu mais faut qu'elle réponde ta mère, dis-lui elle répond. Elle est morte. On l'attend, il nous faut la danseuse. Y'a pas de parents. Mais non. Pourquoi ils sont morts? Putain, ça me fait de la peine. Raconte un peu. Non, tu vas raccrocher. Non, ouais, la vie de ma mère, ouais. Bref, nique ta mère. Oh, grosse bite, hein. Bat, pardon, bat. Qu'est-ce qu'on attend là, hermano? Eh, hey, je le retrouve, je le baisse. Ouais, termité. Bon, moi, je vais faire un tour, on se fait chier. Vous m'appelez s'il y a besoin, d'accord? Tuerto toujours par là? Ouais, Tuerto. D'accord. Bon, tu lui dis, il m'appelle s'il y a besoin de moi. Physiquement, il est là. Non, c'est bon, il y a une marteau. Tu voulais pas un couteau? Bah, pour qu'il y avait une grosse hachette. Mais là, ça va, c'est petit. En vrai, où est quoi qu'en vrai? Vas-y, donne-moi le couteau, vas-y. Mais c'est pas le. En fait, tu passes une commande là, auprès de l'armerie. Oui, si t'en veux, mieux t'en prends. Cran d'arrêt, ça coûte combien? Ça coûte 165. C'est bon, parfait. Tiens, prends un peu de temps. Attends, tiens. Non, tu me donneras plus. Non, tiens, hermano, ça me fait plaisir. 165, tu m'as dit? Si, c'est ça. Tiens. Tu m'appelles s'il y a besoin. Y'a plus d'essence, sérieux. Oh, mais c'est Esperanza ça. Oui. Tu es qui? Oh, on se retrouve. Bah, on s'est vu tout à l'heure, c'est moi, Jaya. Mais pourquoi là, tu es gentille et tout à l'heure au téléphone, tu étais désagréable? Mais parce que... Attends, on m'appelle, 2 secondes. Oui, allô? C'est Esperanza. Oui. Oui? Oui, allô, tu m'entends? Ça va, tranquille. Vas-y. Ouais, dans 10 minutes, j'arrive. À toutes. Ouais, du coup, je disais, parce qu'on parlait en même temps, je conduisais et tout, j'avais trop d'éléments de pression. Ah. Et là, ça va. D'accord, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends Tuerto, tu l'as vu? Non, il l'est pas vu. Ok. Mais pourquoi? Tu peux me parler à moi si tu veux, hein. Non, mais il m'a dit de venir. Pourquoi tu rigoles? Bon, non, mais je rigole pas. Ah, Tuerto. Ah. Salut, Tuerto. Quoi? Oui. Ah, Jaya, ça va quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquille. C'est pour moi que tu as dit de venir? Il a un coup de foudre. Il est tombé amoureux au premier regard. C'est pas vrai, c'est mais pas c'est pour... grave. Mais c'est grave de mentir comme ça, tout puta madre. Ah, c'est comme ça. Il a juste dit, oh, c'est une beau prénom. Et faut qu'on se retrouve. Il a pas dit coup de foudre, calme-toi. Non, mais tu m'as cherché de partout. T'étais prêt à retourner toute la ville pour me retrouver. Il y a un truc de prévu. Écoute, si ça te fait plaisir de penser ça, tu peux le penser, tu as le droit. Appelle-moi. Ça te fait plaisir? Je suis fort dans ma pensée. Oui, mais après, vous les tchikas, quand vous pensez qu'on est trop prêt à faire des trucs pour vous, vous prenez la confiance et tout. Donc c'est pour ça. Je suis pas trop accessible. Ouais, je... Non, mais t'inquiète, moi je suis une fille pas comme les autres. Oui, je sais, tu es une puta. Oh, comment tu sais? Bah, tout le monde le sait. Il y a dit Jaya, tout le monde m'a dit attention, c'est une puta. Oh putain, ça tombe trop vite dans cette ville. Mais c'est vrai? Pourtant, c'est pas moi qui tourne. Hein. Je une vous prostituée laisse. Je vous laisse parler les deux. Oui, c'est bon, super. Non, Vas-y, c'est bon, perfecto. Vas-y, je reviens. Tu es une prostituée? Garde-la bien ici, faut que je discute avec elle après. D'accord. C'est bon. Fuis un temps ou. Voilà. Ou fuis un temps ou quoi? Bah, fuis un temps ou. Oui, je tapinais, oui. Ah, mais tu as le droit, moi, je juge pas, hein. Ah, bah, c'est gentil, t'es le premier qui me juge pas. Non, moi, y'a pas de cojones. T'en as vraiment pas? Non, littéralement, rien. T'as pas de couilles? Yeah, non. Oh merde. Il y a le tuyau, mais pas la tuyauterie. Oh merde. Oh là là. On se moque de toi? Non, ça va pas trop. Hein. Les gens ils sont un grave, peu étonnés et après c'est bon. Ouais. Ouais, c'est pas grave hein. Après que le tuyau il marche, ça oui, va. Oui, ça marche. Tu m'arrêtes bien d'avoir une libido bien forte toi, non? Bah, je suis comme ça tous les jours, faut que tu prennes l'habitude. De quoi tu es comme ça? Bah, de parler comme ça, sans tabou, sans gêne, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est bien, moi aussi. Mais du coup, ça va, c'est pas trop dur d'être une puta? Bah,
franchement, au début, c'était dur, mais là, j'essaye d'arrêter et de me rediriger dans d'autres trucs. Tu faisais ce ça soir, pour... je vais faire le lapin au triangle, si tu veux venir me voir. Tu faisais ça pour l'argent ou pour le plaisir? Pour l'argent, bien sûr. Il n'y a aucun plaisir à faire ça. Ah oui, c'est vrai? Excuse-moi, il n'y a aucun plaisir à tourner dans un quartier tous les soirs, hein, je vais pas te mentir. Ah, tu faisais dans les quartiers? Ouais, quartier, cave, boîte, tout. Tu devais faire escorte avec... Particulier, entreprise, tout. Pourquoi tu fais pas escorte? C'est mieux, c'est plus classe. Bah, maintenant j'essaye. T'inscris sur quoi? Bah, en fait, je m'inscris pas sur des sites, j'essaye de choper des mecs qui ont l'air d'avoir le bras long et en général, ils sont tellement bêtes qu'ils tombent dans le piège et après je les drague et je les pompe, enfin, l'argent, hein. Et je les pompe et après, voilà. Bah, si jamais tu veux continuer à tapiner, tu me dis, moi au pire, nous on te protège et tu nous passes un pourcentage, on fait ton Mac. Bah, faut me trouver des clients pour ça. Ah non, ça marche pas comme ça. Ah, c'est à moi de les chercher? Bah oui, toi tu fais ton travail, nous on te protège. Je t'ai quand même dit que j'essayais d'arrêter de faire ça. Bah, si tu veux essayer d'arrêter, moi ils te draguent. Bah. Pardon? On a le même collier, regarde. Ah oui, c'est vrai! Oh là là! Ah c'est oui! Le destin. C'est fou! Tout était lié depuis le début. Oui, mais arrête, Oui, mais toi, tu es une putain, tu me dis ça, tu vas me prendre mon argent et après tu vas partir. Tu me prends pas non, pour un con. Non, arrête. Je te promets, je dirai à personne que t'as pas de couilles. Non, mais tout le monde le sait, Hermana, c'est bon? Ah merde! Ouais, bah, comme tout le monde sait que je suis une pute, tu vois, au final, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Hein. Là, c'est toi qui me drague. Ouais, un peu. Ouais. T'aimes pas les filles entreprenantes? Si, ça va, ça me dérange pas. Ah bon, ça va alors. Oui. C'est bien. Balèze. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, ouais, toi, ouais, il est. C'est bien, tu vas danser un peu après? Ouais, je vais danser. Au triangle? Ouais, au triangle. Combien ils te payent? Ça dépend. Ça dépend le nombre d'heures, ça dépend le nombre de gens qui viennent prendre des danses privées. Ok, regarde. Toi, ce que tu fais, c'est que tu prends une day off. Moi, il te passe 150$ et toi, en échange, tu vas pas danser là-bas ce soir, c'est bon? Pourquoi? Bah, comme ça, tu commences à devenir une fille qui arrête d'être une puta. Mais c'est pas rentable pour moi. Bah, si, 150 contre ce que je touchais là-bas, c'est vraiment pas rentable. 150, tu touches combien là-bas? 1000. Bah, oui, ta mère. Non, oui, vraiment, ma mère, oui, vraiment. Bah, oui, ta mère. Oui, oui, ma mère. Moi, il peut pas m'aligner là-dessus, cabron. Bah, oui, c'est pour ça, je te dis. Eh bah, continue à être une puta. Bah, ouais. Mais moi, j'ai besoin d'argent, hein, c'est comme ça. Hein. Et moi, je fais pas un dessin. Mais si tu es une puta, il jette pas mon dévolu sur toi. Attends, mais t'es en train de me dire que je dois changer pour toi? Bah oui. Attends, mais qu'est-ce que tu peux m'apporter, moi? Parce qu'on est là, on discute, mais toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter concret dans ma vie? Sécurité physique, sécurité financière et prospérité. Ah ouais. La paix, monde des bisounours, tout va bien, tout est incroyable. Bah oui. Ah ouais. Ah oui. Regarde les pecs. T'es sûr de ce que t'avances? Regarde mes pecs. Non mais je pense que tes pecs vont pas me protéger si un jour... Si un jour quoi? Si un jour un mec vient me rafaler, tes pecs devant moi. Non mais c'est pas un gilet pare-balles. Mon pistolet, oui. Ah, parce que t'as un pistolet, voilà, viens-en faire. Ah, tu es une bandeuse de pistolets? Sinon oui, il y a des pistolets, hein. Non, je suis pas une bandeuse de pistolets, je suis juste une bandeuse de billets, j'adore l'argent. Ouais. Faut dire les mots... Les oui, mots oui, non, c'est bien. Ah, oui. C'est bien. Eh ben, d'accord. Je sais pas trop quoi te dire. Parce que moi, il y a pas encore. Pas trop quoi te dire aussi à ta proposition, en fait. Il y a pas encore beaucoup d'argent, moi, donc ça veut dire il y a pas encore les épaules pour te draguer. Bah, après c'est pas une question d'argent, hein, la drague, hein, tu sais. Bah si, tu m'as dit tout ce qui t'intéresse, c'est les billets. Ouais, je sais, mais j'ai les billets là en ce moment, c'est pas un problème. Ah oui, tu as combien? Ça va, tu veux qu'on aille voir mon compte en banque main dans la main? À peu près, pour voir s'il y a ma ligne ou pas. Je sais pas, je suis près de 2000. De mais il t'explose la tête. Ah oui? Hermana, il braque une banque. Attends, mais il me dit pas ça comme ça, qu'est-ce que j'en sais moi? Bah oui, bah maintenant tu le sais. Hein. Ah ouais, parce que je te mens pas, t'as pas le gabarit de braquer une banque. Hein. Je dirais un petit garçon tout mignon. Allez, toi, c'est bon, Hermana. Oh, ouais, trou du cul! Viens danser! Ouais, on ouvre là. Viens avec ta copine. Ah, moi tu me réponds servir, pas, moi. Pardon, servir. Moi tu me réponds pas au téléphone, putain madré, moi. T'arrives? Tout de suite. Tout de suite. Ouais, ah, tout de suite.
Et là, tu sais, je parle à qui là? Tu parles à Madara? Oui, d'accord, ta mère, la pute. Non, pour de vrai, pourquoi tu me réponds pas à moi quand il t'appelle? Parce que je t'ai occupé le business. Il a ramené une puta. Mes petits, c'est qui? Le Izar, il s'appelle, je crois. Ivar, oui. Il est derrière là, il va danser. Montre-moi. Tu as un plantard dans le dos encore, toi aussi? Mais non, tu crois que je suis Bohan, moi? Moi, je vais te baiser de face, tu vois. Bien, en te regardant dans les yeux. Et moi, il est pas shooté, hein? Hein, ouais? Hein, il est pas shootard. Je suis au courant, je suis. Qui lui? C'est lui, c'est la puta. Il va danser. Bien. Bien. Tranquille. Oui, c'est, bon. c'est pour que tu danses, c'est ça? Travailler. Lui, regarde. Ouais, il... bah travailler, on est dans un club de striptease. Regarde, monsieur. Regarde. Lui, il devait mourir hier, il aurait tué, mais au final, il est pas mort. Ça veut dire, là, il me donne une fière chandelle et il va danser toute la soirée, bien comme il faut. Bah parfait, bah écoutez, dès qu'on ouvre, on aura normalement des clientes et on va vous donner une petite tenue. C'est-à-dire, c'est un slip qui... C'est ça, et juste... Parce qu'il faut pas que vous vous bandez pendant la danse, donc on va vous laisser partir dans les toilettes. Voilà, vous regardez un petit film de cul, vous branlez. T'as pas compris le message, toi, hein? Putain. Hey, rentrez à l'intérieur, rentrez là. Là. Est-ce que tu veux, Bernard? Et après, c'est bon, ok, parfait. Oui, c'est sérieux, je dois danser. Hey, j'en ai rien à foutre, moi je te sûr, replante. Bien sûr. Mais Hermano, on était ensemble hier, on a passé une bonne soirée. Pas pour désordre. Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Et vous, on a fait la paix. Ouais. Ça va, Hermano? Ouais, ça va, voilà. Tranquille, et toi? Oui, ça va. Casino, là. Il a ramené une puta qui va danser. Ah ouais? Oui, Izar, il s'appelle. Ah, un mec? Oui. Mais c'est ton mec? Non, c'est une puta. Il est rencontré dans un magasin de vêtements. C'est son mec? Hier, il a essayé de le tuer, il s'est réveillé à l'hôpital. Du coup, il a dit, bon, ben voilà, pour la peine, tu vas danser toute la soirée un petit peu. Ah, t'es un bon. Tu vois, il y a une grande cœur. Viens, je t'offrirai un truc à boire. Viens, oui. Tu bois quoi? Il boit, c'est bon, il a déjà bu, Hermano. T'as bu quoi? Il a bu un Monster. Tu prends un truc plus fort? Non, il boit pas d'alcool. Il fume pas. regarde-le comme il est beau. Regarde, voilà, Izar, c'est bien. Eh, hey, t'as pas intérêt à bouger, hein, t'es là comme ça toute la soirée. Rapproche-toi de la barre. Rapproche-toi un peu de la barre. Ouais, montre-nous comment tu fais du lap dance. Et plus sensuel, Hermano. Mec. Il veut douter de mon sexualité en te regardant, Izar. Tu dois me persuader que j'aime les hommes. Allez, twerk. Je fais ça pour les femmes. Tu fais ça pour les hommes aussi maintenant. Oh putain, il m'a rendu lesbienne. C'est horrible. Fais un effort dans le déhanché. Montre-moi. C'est honteux. Mais comment ça, montre-moi? Tu vas t'apprendre à bouger des fesses quand même. Voilà, comme ça, c'est bon là. Oh, c'est horrible. Mais c'est de la merde. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce que tu fais? Eh, tu danses en jean, toi? Te prends pour Pop Smoke? Ouais, va mettre une culotte. Va, mais va le champ. Attends, je vais te changer, toi. Viens. Fais comme ça. Putain, ouais, pas mal, putain. Aïe! Désolé. Vas-y. Bien. Faut tout arrêter à prendre, c'est un truc de ouf. Eh ouais, ça m'exaspère. Miguel, je te présente... Jaya? Jaya, oui. Mon ex, et Nabi, ma meuf. Nabi? Pardon? Ouais. Ils sont sortis ensemble? Ouais. Je t'en rappelle pas. Toi les chewing-gums sur ta pute à madré. Quoi? Toi, une chewing-gum sur les chaussures, je crois. Ouais, ça dit quoi? Oui, ça va, trou du cul. Ouais, ça va, et toi? Oui, ça va. C'est ta meuf, Nabi? Ouais, c'est ma meuf, ouais. Tu t'appelles Nabi? Oui. C'est ton vrai prénom, Nabi? Non. C'est quoi Nabi, ton vrai prénom? Non. Eh, hey, réponse, je sais pas, je te mets un coup de couteau là. Je m'appelle April, y'a quoi? Oh putain! April? Après du mécano? Mais non, c'est pas elle. Putain, j'en connais qu'une d'April. Non, mais c'est April là? Ok, c'est bien. T'es sûr, c'est pas moi? Okay, c'est très bonne ambiance en tout cas ici, hein. Ça fait plaisir. T'es sûr, c'est la main? Ouais, c'est toi. C'est ta meuf, du coup, maintenant? Non, c'est pas ma meuf. On est d'accord. Ah. Vous voulez pas se faire une exclusion à 4? Quoi? On se fait pas une exclusion à 4? Si, Bjorno, tu viens? Attends, le club vient d'ouvrir, on va pas partir du club. Bjorno, viens voir. Tu te rappelles hier quand on cherchait des chicas?
Ouais. Alors viens, on part tous les quatre. Hop, excursion, on se met dans un parc. Mais non, viens, reste ici, non? Non, viens, on se casse. Je te jure, ça paye bien. Mais c'est les ça paye vraiment pas. Attends, viens, je suis. Ah oui, Miguel, t'es un bon. Oui. Mais là, c'est les deux seules meufs qui travaillent dans le. S'en fout, Herman Burno, c'est pas grave, on est plein, y'a Lazare. C'est qui? Là, celui qui dansait, le Chico, là, c'est bon, viens. Non, non, en plus, moi, je vais pas tarder à aller dormir, t'as vu. Sinon, moi, je prends les deux, hein. Ah oui? Ouais, vas-y. Ils viendront pas, elle taf. Vas-y, viens. Les gens sont hypocrites. Allez, venez, le Chico, on va faire un tour. Comment ça, non, on travaille ici, non? Ouais, on va taffer bientôt, on va commencer. Eh ben, tout putain madré, reste ici, travaille. Ah. Oh, l'île des villes! Je crois que ça veut dire t'as plus de demain. Ouais, y'a quoi? Tu vas rester toute la soirée, c'est bien nul ici, hein? C'est bien nul, regarde derrière toi, regarde les deux gros boulards, tu me dis c'est bien nul. Comment ça, tout putain madré? Comment ça? Oh non. Moi aussi, tu veux que je te parle le. Oh, arrête, tu vas te rebeller. Nique-le, hein! S'il te plaît, fais pas ça. Pourquoi tu nous traites? On t'a fait quoi juste? S'il te plaît. Oh, il est en caleçon, Izar. Oui, April Lavigne, dégage. Pardon. Il veut que je le frappe lui. Oui, s'il te plaît, allez, va-t'en. Abandonne après, je pense que là c'est... Oui, je pense que après... Ça ira pour après, ce soir, putain, mais qu'est-ce qu'il faut en train de parler? Il te promet, tu vas regretter après, April. Ça va pas la tête? Il est dévil. Merci, c'est bien. Ouais, c'est bien, ça me fait plaisir, il n'y a pas envie de te frapper. Ouais, il n'y a pas envie de t'attacher dans un coffre, après te mettre au bord de la mer, te jeter dans la mer, les pieds et poings liés. C'est des menaces. Non, c'est pas des menaces, c'est juste une prévention. Une prévention. Il va attacher des cailloux à tes pieds, je vais t'attacher les mains et les pieds, je vais te balancer dans la mer. Tu vas couler, tu vas te noyer, tu vas mourir. Après, Jada, elle va me casser à la cojones. Elle va me dire, tu as ma copine. C'est pas Jada. Attends, je vais essayer une barre. Après, tu es toujours aussi lente avant de dire une phrase ou... Non, mais en fait, j'ai pas envie de répondre. Ça servira à rien. Il mesure combien? Je sais pas. T'es en train de la saouler. Ou 1m75, pourquoi? Ok, non, pour savoir. Tu mesures combien, toi? 1m71. Oui, c'est bien. Mm-hmm. Et tu as combien de pétards chez toi? De pétards? Oui. Tu parles de quoi? De bœufs, là? De pistolets. Des pistolets. Oui, tu en as combien chez toi? J'ai pas tant de pistolets. Ah, d'accord. Il y en a 3. Un. Une dans la main, une dans l'autre main et une dans le pied. T'es fort toi. Et t'arrives à tirer avec les trois? Non mais vraiment, j'ai l'impression que tu réponds à mes phrases 20 secondes après. Je t'assure que... Elle est pas fluide, non, la conversation. Non, pareil, je réponds pareil, tu vois. Je te jure, il y a de la latence. Mais oui, tu es lente. On dirait à chaque fois, tu réfléchis à la phrase que tu vas dire, ouais. Bon, allez, bon travail. Allez, salut. Burno! Pourquoi tu réponds pas au téléphone? Enfin, comme tu veux. Marche pas mon téléphone. Ah oui? Il marche vraiment pas. Non, bloque pas. Oh putain. Non, sérieux, je suis trop con. Je voulais me baisser. Non, mais sérieux, frère. Frère, X, comment j'ai pu confondre X et F? Comment je me casse déjà, moi? Comment est-ce qu'on se casse d'ici? Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.